Salut tout le monde, donc voilà, on se retrouve pour le 12e épisode de Comment jouer à Minecraft. Oula, petit lag. Allez, 2 secondes, je vais. Normal. Trop court. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a un gros bug sur la map. Donc j'essaierai de la restaurer. Mais sur ce 12e épisode, nous n'allons pas faire énormément de choses. Ce sera un épisode qui durera 4-5 minutes peut-être. Même moins, je pense. Parce que je comptais faire aller dans le Nether avec vous. Mais je ne peux pas y aller parce que l'ordi plante à chaque fois dans le Nether. Donc en attendant d'avoir un ordi plus puissant, en espérant pouvoir convaincre mes parents de changer d'ordi, je pourrais vous faire une vidéo dans le Nether et dans l'Ender aussi, pour combattre l'Ender Dragon. Donc j'essaierai de restaurer la map pour éviter ce gros trou, parce que je peux y tomber dedans, mais voilà quoi, vous voyez. On voit la lune carrément. Ça le fait pas. Donc voilà, cet épisode va. C'était juste pour vous dire ça. Et aussi, je vais vous montrer un petit truc qui peut être utile quand vous faites, quand vous amusez à faire Tarzan dans la jungle. Bon, vous pouvez monter aux lianes, évidemment, hein. Mais par exemple, si il n'y a pas de tronc ou de bloc contre la liane, vous ne pourrez pas y monter, mais vous pourrez y descendre. Comme par exemple là. Ça permettra de ne pas vous casser la cheville. Donc, si vous faites comme ça, vous passez à travers. Même si vous sautez, oui, ça ne marche pas. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et ça fait quand même assez longtemps que je n'y suis plus retourné sur cette map, quand même. Parce que peut-être pour vous, ça fait pas longtemps. Mais moi, oui, ça fait quand même un mois et demi. Donc j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour la vidéo du Nether et de l'Ender, qui prendront peut-être 3 ou 4 vidéos. Et aussi, j'ai oublié de préciser, je suis passé en 1.4.5, qui est sorti il y a assez longtemps quand même. Donc voilà, c'était tout, hein. Donc on se retrouvera. Bon, pour vous, ça fera peut-être quelques jours. Ou même moins, mais moi ça fera quand même un an ou plus. Au revoir et à la prochaine!